Bon les filles, on est début septembre, c'est la rentrée, vous avez bien profité de l'été, vous avez peut-être repris quelques kilos avec les apéros, les barbecues, les glaces, les gaufres, etc. Je ne sais quoi, vous êtes peut-être pas forcément à l'aise avec ces kilos en trop et vous avez envie de reprendre une routine, de démarrer cette rentrée sur les chapeaux de roue pour surtout aller chercher vos objectifs que vous étiez fixés pour 2024. Cette vidéo est donc pour toi si tu souhaites retrouver une routine justement quotidienne et saine que tu vas pouvoir tenir dans le temps, reperdre les kilos que tu as pris cet été ou peut-être juste continuer la perte de poids que tu avais entamée déjà, organiser tes repas, ton sport pour vraiment t'y tenir. Donc si c'est ton cas, reste bien jusqu'au bout de la vidéo, j'ai une surprise pour toi. Dans cette vidéo, je vais te donner ton plan d'action qui va pouvoir te permettre d'avoir une routine saine, durable et que tu n'abandonneras pas et de pouvoir savoir quoi manger, quels exercices faire pour perdre jusqu'à 12,5 kg en 3 mois. Si tu me connais pas, si tu tombes sur ma chaîne, moi c'est Kelly, je suis coach sportive et ancienne nageuse de haut niveau et du coup j'ai combiné mes deux passions qui sont la musculation et la natation pour créer ma méthode hybride, le Body Comeback, qui est en fait une méthode qui regroupe la natation et la musculation pour perdre du poids, retrouver confiance en soi, se sentir mieux, être bien dans son corps et dans sa tête. Je te montre quelques résultats que j'ai obtenus grâce à cette méthode comme Inès qui a perdu 20 kilos en 6 mois, qui a une transformation incroyable, Megan également, Chloé, Clotilde, elles ont perdu entre 6 et 12 kilos. Enfin, et comme tu peux le voir, elles ont fait de magnifiques recompositions corporelles en diminuant leur taux de masse grasse et en augmentant leur masse musculaire pour un physique beaucoup plus harmonieux. Donc, on va commencer. Étape 1, la pré-organisation. Pré-organisation, ça va être quoi? Ça va être très simple. Tu vas aller dans ton agenda. Donc, je ne sais pas quelle application tu utilises. Moi, j'utilise Google Agenda. Donc, je vais te montrer grâce à Google Agenda comment j'organise et je bloque mes créneaux pour m'entraîner, faire mes courses, manger, etc. Moi, je te recommande de faire sur Google Agenda. C'est plus simple, c'est très intuitif. Tu l'as sur ton téléphone, c'est facile d'accès, c'est gratuit. Mais si jamais tu as un agenda format papier ou si tu as une autre application pour agenda, ça marche aussi. Donc, on se retrouve sur Google Agenda directement. J'ai créé un agenda exprès pour cette vidéo. Ça représente un peu ma journée, comment elle se répartit. Donc, comme tu peux le voir, le matin, j'ai bloqué un créneau. Dès que je me réveille, je commence ma journée par une activité douce qui est de la marche. Ça ne me demande pas d'aller courir, d'aller à la salle ou quoi. Non, c'est surtout un petit moment que je prends pour moi, pour voilà, réfléchir sur ce que j'ai envie de faire sur cette journée, de comment je me sens, faire une sorte de petite introspection. Donc, si jamais tu n'as pas le temps le matin, d'aller marcher parce que tu as ton travail qui démarre très tôt ou que tu n'as aucun créneau, que tu as tes enfants à t'occuper, etc. Ce n'est pas un problème, tu pourras le faire plus tard le soir ou sur ton temps du midi. Des fois, au lieu de rester dans la salle de réunion, pause-déj, assis avec les collègues, aller faire une petite marche de 15-20 minutes avec tes collègues si tu veux. Ça t'aidera beaucoup mieux à te dépenser sur ta journée et à être plus concentré pour ton travail. Ensuite, on a donc ton créneau de travail. Donc moi, par exemple, le matin, je travaille 2 heures et après, je sens que je déconnecte. Donc, j'ai décidé d'aller m'entraîner à 10 heures jusqu'à 11 heures, 11 heures et demie. Donc, je vais te montrer comment on bloque les créneaux, ce que tu vas faire. Tu vas venir créer ton créneau ici. Tu vas taper donc ce que tu veux faire, séance musculation, entraînement natation. Ensuite, tu vas venir surcliquer sur, tu vois ici, une seule fois. Moi, je veux les mettre 4 fois dans la semaine. J'ai 4 entraînements par semaine, 4 fois à la même horaire parce que mon emploi du temps me permet de les mettre à la même horaire. Donc si c'est ton cas, c'est très simple. Tu fais une seule fois, donc tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Tu mets la couleur que tu le souhaites. Moi, ma muscu, je la mets en bleu ciel. Et ça va venir te créer 5 créneaux, tu vois, mais moi j'en veux que 4. Donc très simple, je vais supprimer celui-ci, cet événement uniquement, je vais juste supprimer lui, et tu vois, ça me les enlève. Et comme ça, j'ai mes 4 séances de planifiées. Donc si toi, ton emploi du temps ne te permet pas de faire tes 4 séances au même moment, tu crées différents créneaux, et dans ces cas-là, tu le resteras juste une seule fois. L'avantage de Google Agenda, c'est que ça va te les créer pour toutes tes semaines. Donc, si ton emploi du temps ne bouge pas de semaine en semaine, c'est hyper pratique. Si jamais il est modulable, que tu es infirmière, que tu as des créneaux différents, etc., c'est beaucoup de cas de mes clientes. L'idéal, ce que je te recommande, moi, c'est ce que je fais, c'est que j'organise mes semaines le dimanche soir. Comme ça, ma semaine est organisée et je sais quoi faire, à quel moment. Et c'est surtout pourquoi faire ça, pourquoi c'est important que tu fasses ça pour ne jamais déroger à tes entraînements. Quand tu as un engagement envers quelqu'un d'autre, quand tu as un rendez-vous chez le dentiste, quand tu as un restaurant de planifié avec des collègues, avec des amis, tu y vas. Donc pourquoi tu dérogerais à un engagement que tu t'es fait envers toi-même et surtout un engagement qui est sain pour toi, pour ta santé, pour ton bien-être mental et ta santé physique. Très important. Le fait que ça soit noté dans ton agenda, c'est très puissant. Ça va venir vraiment ancrer dans ta tête que de toute façon tu as cet entraînement qui doit être fait. Et parce que sinon, il y a ce truc en mode ah ouais, donc en fait je suis même pas fiable envers moi-même. Donc voilà,
très important de le faire, vraiment fais-le. Mets pause sur la vidéo, prends le temps de le faire avec moi, va sur Google Agenda, va sur Agenda iPhone, comme tu veux, mais bloque ton créneau d'entraînement. Si c'est 2 séances, si c'est 3 séances, si c'est 3 muscu, 1 natation, c'est très bien. Si c'est 4 muscu, 0 natation, ok. Et essaye de bloquer aussi des petits créneaux de marche. Moi, c'est ce que je te recommande. Ça va te permettre d'augmenter, de faire des 15 minutes de marche par-ci, 10 minutes de marche par-là, mais de te les bloquer. Et tu vas voir que ça va vite augmenter ta dépense. Donc voilà, pour les créneaux, moi, je planifie également mes courses. Donc tu vois, genre là, par exemple, tous les dimanches, je vais faire mes courses de la semaine. Ça évite tous les jours de te dire, ah, il me manque ci, ah, il me manque ça, il me faut ci, il me faut ça. T'essayes vraiment d'être le plus efficace possible. Si c'est pas le dimanche, le samedi, peu importe le jour de la semaine que tu veux, mais tu bloques ce créneau également. Tu verras que ça sera bien plus facile et efficace de le faire comme ça. Et tu vois, moi, j'ai bloqué aussi un créneau organisation de la semaine. Donc voilà, on est tout bon pour l'agenda. Donc, on a fait notre première étape. Comme je te dis, hein, prends le temps de le faire. Ne regarde pas juste cette vidéo pour consommer du contenu et ne pas passer à l'action. Si tu regardes cette vidéo, c'est vraiment très important que tu mettes les actions en place et tu verras que les résultats suivront derrière, je te le promets. Étape 2, organisation de tes courses et de tes repas. Comme je te le disais, c'est aussi important que tu planifies tes courses et tes repas que tes entraînements parce que c'est vraiment les deux choses qui vont le plus impacter ta perte de poids. Donc ici, je te fournis une liste de courses avec, j'ai recensé les aliments, on va dire, les plus intéressants pour une perte de poids, qui reviennent le plus souvent dans les recettes. Je vais te partager ensuite des recettes que tu vas pouvoir faire avec cette liste de courses. Je te laisse screen, j'ai 3 slides qui vont suivre. Je te laisse les screens et comme ça, tu vas pouvoir aller faire tes courses. Tu pourras même imprimer si tu veux et cocher. Ça va être beaucoup plus facile. Donc là, on a la slide numéro 1. La deuxième, je te laisse un petit temps. Surtout, n'hésite pas à faire pause hein, sur la vidéo. Bon, t'auras ma tête, mais pour screen ta liste de courses et la slide numéro 3. Donc voilà, donc, tu vois, sur les 3 slides, hein, t'as les protéines, les glucides, les légumes, les fruits, les assaisonnements, les condiments, pâtes, féculents, etc. Donc voilà, tu as vraiment tout ce qu'il te faut. Ensuite, tu as donc les recettes ici. Donc je vais essayer de me pousser. Donc ici, calories, c'est fictif, dans le sens que ne te fie pas à des calories que tu vois chez une influenceuse, chez ta copine, chez ta voisine, parce que ton corps, ton métabolisme est différent. Donc ici, c'est fictif. Voilà, les calories ne te basent pas par rapport à ça pour perdre du poids, mais ici, tu peux screen les différentes recettes pour vraiment pouvoir utiliser ta liste de courses et pouvoir reproduire ces repas. Si tu souhaites qu'on crée tes propres meal plans, parce que ça, du coup, c'est les recettes que je donne, que je fournis à mes coachés en coaching personnalisé. Body Comeback, c'est du sur mesure, c'est-à-dire que elles remplissent un formulaire où elles me complètent leurs goûts, leurs allergies, leurs intolérances. Donc, si tu le souhaites qu'on le fasse pour toi avec justement les calories adaptées à ton métabolisme pour ta perte de poids, n'hésite surtout pas à réserver un appel découverte. C'est offert dans le lien, le premier lien en description de cette vidéo. Je vais te montrer quelques recettes aussi hein, à suivre là. Donc, tu vois, là on a le bowl cake protéiné banane chocolat pour le petit déj, c'est une dinguerie, je l'adore. Donc pareil, je te laisse un petit temps pour screen. Ensuite, la salade de pâtes au saumon fumé et concombre. J'adore ça, l'été, c'est incroyable. Genre vraiment, si vous avez des invités l'été, je vous recommande cette salade, elle est incroyable. Pareil pour des petits apéros, faire des petits toasts ou couper avec des œufs dessus. Enfin, je l'ai fait à des potes, mais ils ont trop kiffé. Et une autre salade ici, assez riche en fibres. Hein. N'oubliez pas, il y a les macros, protéines, glucides, lipides, mais n'oubliez pas de manger des fibres importantes pour la digestion, etc. Donc voilà, comme si je te disais, si tu souhaites réserver ton appel pour qu'on voit ensemble quel plan alimentaire serait le plus adapté pour toi, n'hésite surtout pas, le lien est en dessous de cette vidéo. Et on continue notre troisième étape. Troisième étape, l'importance de ton programme. Suivre un programme d'entraînement, c'est clairement la clé, c'est très important. Pourquoi? Parce que moi, tu vois, pendant des années, je ne me suis pas entraînée avec un programme. J'allais à la salle. Là, dis-toi, j'allais à la salle. Et j'avais ce physique là. Et j'y allais depuis des années. Ouais. Pas foufou. Et bah, c'est surtout que du coup, j'ai eu aucun résultat. Je t'expliquerai dans d'autres vidéos tous ces concepts-là. Si ça ne te parle pas trop, eh ben, c'est peut-être que tu as besoin d'un coach parce que moi, justement, ces concepts ne me parlaient pas. Et le jour où bah, tu vois, j'ai suivi 3 mois de coaching, j'ai fondu comme neige au soleil. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, je suis là pour te donner justement des outils pour mettre en place et avoir des résultats. Donc ici, je te propose 3 séances de musculation. La troisième est sur la slide suivante. Je te laisse encore une fois screen les entraînements. Je vais t'expliquer un petit peu comment ça se compose. Donc ici, on a une séance bas du corps. Donc par exemple, tu as le nom de l'exercice. Donc je te recommande d'aller le taper parce que tu n'as pas accès à la vidéo du coup, mais le nom de l'exercice dans YouTube pour voir comment il s'exécute. Mais voilà, tu as le nombre de séries à faire.
Le nombre de répétitions, donc c'est des fourchettes entre 8 et 12 répétitions. Si tu n'arrives pas à faire 12, tu fais moins. Et puis le but, ça sera d'augmenter de séance en séance. Et je t'ai mis de temps de repos qui sont là à titre indicatif. Entre chaque série de chaque exercice, tu prends ce temps de repos. Et là, on est sur une séance bas du corps, séance 2, haut du corps. Même chose, nom de l'exercice, nombre de séries, répétition, repos. Et la séance 3, full body. Là, on fait un rappel un peu de tous les groupes musculaires. Même concept, exercice, tu tapes sur YouTube si tu ne sais pas comment le faire, le nombre de séries à suivre, la fourchette de répétition, le repos. Ensuite, ta séance de natation, je t'en ai mis une où justement on va un peu apprendre les bases si tu ne les as pas. Un exemple de séance que je te laisse également screen. Si jamais tu souhaites qu'on fasse ensemble ton programme personnalisé, vraiment adapté à ta morphologie, ton objectif, n'hésite surtout pas à réserver encore une fois ton appel avec le premier lien qui se trouve sous cette vidéo. Donc voilà, j'espère qu'on se retrouvera. À toi de jouer. En tout cas, là, tu as tous les outils en main dans cette vidéo pour atteindre tes objectifs. Et moi, je te dis à très vite.